Ben, salut, salut, on est lundi fin de matinée, donc même si j'ai publié quelques trucs sur la charpente la semaine dernière, quand même faire un petit journal de bord. Donc pendant qu'on était, que le charpentier était sur le solivage à l'intérieur, le maçon effectivement a commencé à bien explorer le mur, diagnostiquer. Donc on s'aperçoit qu'il a carrément écroulé hein, toute la partie là sur 1 mètre carré de manière à repousser les pierres. Au passage, la fixation de l'échafaudage qui fait peur. Mais bon, ils savent ce qu'ils font. Là du côté, on voit ce qu'il a ramené, hein, pour ainsi dire, presque 10 cm. Et en définitive, concernant ce pignon, ce que je vais faire, c'est que... Bah, au niveau de la. À ce niveau-là, là, au niveau du cordeau, là, entre les deux murallières, on va rabattre le mur, donc faire tomber le pignon qui est au-dessus, laisser un retour, une baie en face, là, deux poteaux et charpente au-dessus, et avec un déport de toit si on a l'autorisation. Donc voilà, donc ça va faire pas mal de pierres à évacuer. Donc pour ça, je vais dégager toute cette zone-là, là, sous les noisetiers, là, remettre une bâche, et comme ça, on commencera au plus près. Ça permettra d'évacuer tous les cailloux dont il n'aura pas besoin ni réutilité. Les solives, pour l'instant, on les a stockées plus tard pour voir dans quel état elles sont, ce qu'on en fait. Là, toutes les autres, on les met là maintenant. Le jardin, pendant ce temps-là, les pommes de terre poussent bien. Là, j'avais préparé 2 bandes de 5 mètres dans le but de planter, de semer carottes et un petit pois parce qu'il ne faut pas trop que je tarde, après il sera trop tard. Mais vu que ce week-end, on a dû déplacer le compteur électrique et finir de vider la dernière partie de la maison, bah, pas de jardinage ce week-end. Donc là, devant la maison, il reste une partie du plâtre, hein, je n'ai pas tout enlevé. J'avais enlevé l'ensemble de l'agglo qu'on avait démonté, mais là, comme on en a enlevé ce matin, le tas remonte. Et à l'intérieur, il n'est pas midi, Mathieu est arrivé que ce matin, donc la deuxième partie est descendue, l'escalier... est au sol et bah, je vous mettrai en fin de vidéo un petit bonus sur le démontage de l'escalier. Bah, je verrai, soit j'achèterai la séquence complète, soit je couperai. Hein? Et l'autre partie, ça vous l'avez déjà vu en vidéo. Voilà. Bon, à plus tard dans la semaine pour des points particuliers ou sur la chaîne de Mathieu, dans mon onglet communauté, je partage tous les lives qu'il fait sur le chantier. Donc comme ça vous permet de les avoir. Coucou Ariane! Je ne vous ai pas dit, mais Mathieu veut changer de métier, il se met à la maçonnerie. Donc là, tout le sport cet après-midi, c'est d'enlever le bois des murs.